Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal consacré aux provinces, des bus Transco sont visibles à Kisangani dans la province de la Tchopo. La gouverneure Madeleine Nikomba a présidé la cérémonie de lancement officiel. Les préparatifs de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation sont fin prêts. Le rendez-vous est confirmé pour demain au stade des Martyrs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À l'Assemblée nationale, la plénière adopte trois projets de loi de ratification accordés à la RDC. L'économie générale a été présentée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aussi, les élus nationaux ont adopté la prorogation pour la 47e fois de l'état de siège, un condensé de Sylvie Moembo. Les trois projets de loi portant ratification de crédits accordés à la République démocratique du Congo ont été examinés et adoptés par 375 députés nationaux et renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Sous la houlette du président Christophe Mbosoko-Diapwanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présenté l'économie générale de ces trois projets de ratification. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de toutes sortes de violences faites aux femmes et à la jeune fille, de l'environnement économique et financier sont ceux concernés par ce projet tout en ciblant quelques provinces. Cette présentation a suscité 23 demandes de parole. Les élus nationaux ont exprimé des appréhensions sur les cycles d'endettement dans lesquels la RDC glisse à pas feutrés, mais le fond sont affectés dans la tenue des séminaires. Au cours de la même plénière, 368 députés ont voté oui pour une 47e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 11 ont voté non. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a tenu à informer à l'Assemblée plénière de la présence des ADEF 1-23 à Tchanzu, Sabinho, en direction de Tamungenga, Kalenga, sur la route nationale numéro 2. Il est impérieux que l'état de siège soit prorogé pour permettre aux forces de défense et de la sécurité de poursuivre leurs opérations de pacification dans l'est de la RDC. Au finish, le texte a été adopté et renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. La société civile recommande, pour raison de souveraineté, que l'audit externe du fichier électoral soit confié à un organisme national. Une déclaration faite lors de la troisième journée porte ouverte de la CENI. Un propos recueilli par Teti Samba et Jiresto Fundje. D'inviter la population à s'approprier des élections. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une consultation du souverain primaire. Le premier concerné, c'est lui, le souverain primaire. Au-delà du fait qu'il va voter, qu'il sera candidat, mais il faudrait quand même également qu'il suive le déroulement des opérations. Et puis nous avons également parlé de l'audit extérieur, l'OIF, nous n'en sommes pas d'accord. Nous disons, on connaît l'OIF, on connaît sa structure et qui dirige l'OIF, la tête de l'OIF, et nous n'aimerions pas que cette structure, cette fois-ci, puisse s'immiscer ou avoir accès aux choses, aux serveurs de la CENI. En 2018, nous avons exigé l'audit extérieur et on nous avait envoyé l'OIF. À un moment donné, l'ancien leadership de la CENI avait compris que faire accéder l'OIF au Centre national de traitement, ce serait risquant. Et si aujourd'hui nous allons nous hasarder à confier la mission d'audit, cabinet d'audit extérieur, de surcroît l'OIF, et les résultats seront publiés quelque part. Et nous serons tous dépourvus. Et je demande au leadership de la CENI, ne commettez pas cette erreur. Et ça sera une trahison. Le FEMI a eu une séance de travail avec la Cour des comptes ici dans le cadre de la mission d'évaluation de la 4e revue du programme économique du gouvernement. Nancy Poba. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mercedes Vera Martin, conseillère du département Afrique, a eu ce vendredi 28 avril 2023 une séance de travail avec le premier président de la Cour des comptes de la RDC. Au siège de cette institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics, il était question de faire le point sur les activités de contrôle de comptes publics par la Cour de comptes, d'évaluer les conséquences de la prestation de serment des magistrats, des moyens budgétaires de la Cour des comptes, de la reddition des comptes 2022 et des possibilités d'élaboration de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2023.
Déjà, le cadre de concertation est mis en place. Les échanges sont en cours pour que nous arrivions à contextualiser le compte de gestion qui seront finalement présentés, produits à la Cour des comptes. Donc, nous ne sommes pas encore, pour cette raison-là, nous ne sommes pas encore en mesure de juger le compte de comptes publics. Mercedes Ferra s'est confiée à la presse. Et nous avons en particulier discuté le processus de rendition des comptes de l'année 2022, y compris en termes de calendrier. Il est important que les cours reçoivent les projets de rendition des comptes dans les prochaines semaines, comme prévu dans la loi. À la fin de la réunion, la délégation a eu droit à une visite guidée dans la salle d'audience Kengo Adondo, récemment inaugurée. Un business forum organisé par AMSCO RDC au Pullman Hotel a évalué l'impact du capital humain dans l'économie nationale. Plusieurs panélistes ont abordé différentes thématiques en rapport avec cette question. Images et commentaires. Autour du thème de la croissance à l'émergence, quel rôle pour le capital humain ? Les participants à African Management Service Company AMSCO Business Forum ont eu droit à plusieurs panels portant sur comment le capital humain peut contribuer à la transformation économique de la RDC, comment ce capital humain peut assurer la compétitivité et la pérennité des entreprises, et pourquoi fallait-il investir dans le capital humain. Un questionnement pour lequel le directeur général d'AMSCO pour la RDC essaie de donner des éléments de réponse. Le développement du capital humain est une question centrale, non seulement pour l'économie de la RDC, mais également pour toutes les économies qui se trouvent au sud du Sahara en Afrique. Donc il est grand temps pour nos économies de considérer cette question comme une priorité. Et nous, à AMSCO, nous la mettons au cœur de nos activités. C'est pour cela que le forum de ce jour a été organisé. Nous organisons divers forums à travers l'Afrique et nous sommes à notre premier forum à RDC. Mais bien entendu, ceci est une initiative qui démarre principalement nos activités dans ce sens-là, dans ce pays. Donc nous aurons à l'avenir d'autres forums qui seront organisés en RDC. Des panélistes sortis du milieu des affaires, de la gestion des ressources humaines, ont partagé leur savoir et l'expertise à AMSCO Forum. African Management Service Company est déjà présent dans 29 pays africains et en République démocratique du Congo. Il collabore avec 50 entreprises publiques et privées dans les recrutements et la gestion des emplois des expatriés. Lutte contre les changements climatiques et la protection des forêts tropicales. Un atelier de haut niveau a eu lieu à Kinshasa pour sensibiliser les chefs religieux et les communautés confessionnelles de la RDC à la gravité de la déforestation. Jean-Richard Kouale pour les détails. La déforestation constitue une menace permanente qui risque de faire disparaître les forêts tropicales et accélérer le réchauffement climatique. Ce jeudi 27 avril 2023, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC, a clôturé son briefing de haut niveau de deux jours pour la CINCO et l'ECC sur la protection des forêts tropicales, la lutte contre le changement climatique et la protection des droits des peuples autochtones. Prenant part à cette cérémonie de clôture, le président national de l'Église Christ au Congo, André Bokundo Abolikabe, a délié sa langue. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la forêt, c'est l'œuvre de Dieu. Et que IRI est là pour nous réveiller. Et moi, je crois que c'est une bonne mission. Lorsqu'on est ensemble, deux valent mieux qu'un. Il y a aussi la confession musulmane pour que nous puissions lutter ensemble pour protéger la forêt. Nous avons été sensibilisés. On a eu toutes les informations qu'on venait de dire. Et là, on a mis en place une commission qui va déterminer comment l'ECC va s'impliquer. Donc nous attendons ce travail-là, on verra comment on va faire. Notons par ailleurs que l'objectif global de cette session a été de sensibiliser les chefs religieux et les communautés confessionnelles de la RDC à la gravité de la déforestation et à l'urgence d'enrayer la disparition des forêts tropicales. L'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Keshiba Fetula Gilbert a accordé une audience à la délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le recteur de l'INULU est invité aux États-Unis dans le cadre du programme IVLP. Reportage.
Monica Shi, conseillère en charge de la communication à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RD Congo, était à la tête d'une délégation reçue par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitula Gilbert, ce jeudi 27 avril 2023. Les questions relatives à la coopération interuniversitaire ont été abordées. Au cours de cette entrevue, il a été également question d'informer au recteur de sa désignation comme partie prenante au programme d'échange du département d'État américain International Visitor Leadership Program, IVLP. Un programme qui réunira les recteurs et enseignants des universités africaines pour des échanges et opportunités de mobilité et partenariat avec les universités américaines. Au sortir de l'audience, Monica Shi s'est dit satisfaite des échanges. Madame Monica disait ce que le recteur de l'UNILU, Monsieur Kishiba Gilbert, il a été nommé pour un programme d'échange du département d'État américain et ce programme s'appelle IVLP, International Visitor Leadership Program. Et c'est un programme qui va réunir le recteur des universités africaines et ils auront l'opportunité d'échanger, de faire des partenariats avec des universités américaines. Cette rencontre a été sanctionnée par la remise des quelques productions scientifiques des chercheurs de l'université de Lubumbashi. Et puis les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39 se poursuivent. Une bonne partie des axes qui ont constitué les calvaires est maîtrisée avec l'impulsion du gouvernement provincial de commun accord avec l'Office des routes. Reportage. Axes qui ont perturbé le trafic sur la route nationale numéro 39 avant d'atteindre la ville de Kasaji sont maîtrisés. Il s'agit de Monekula, Sachingongo et Mungulunga. Un défi de taille que le gouvernement provincial du Lualaba, à travers le ministère provincial des infrastructures avec l'appui de l'Office des routes, a relevé. Bien avant, c'était tout un calvaire pour accomplir cette tâche, nous relate cet ingénieur technicien de l'Office des routes. À l'heure actuelle, la route est complètement dégagé à ce point-là. Mais nous savons que pendant le bruit, c'est vrai, les matelas de la carrière sont imbibés d'eau et vous venez sur la route est inondée d'eau. Voilà deux conditions qui ne permettent pas à cet instant de bruit pour pouvoir réaliser une route dans des conditions normales. Nous jetons le feu à maman au gouverneur de province. Maman Fifima Sogasaini, qui a su en son temps nous doter d'un nouvel équipement de matériel routier. Nous la félicitons, nous la remercions pour cela et pour son gouvernement. À ce jour, cette partie de la route nationale numéro 39 respire. Surtout avec l'arrivée de la saison sèche, les travaux vont s'intensifier jusqu'à rendre fluide une grande partie de cette route. Lancement officiel des bus Transco à Kisangani, une cérémonie présidée par la gouverneure de province de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabango. Tout s'est passé au rond-point du pont Tchopo. Un reportage signé Sosten Kapela. Sous le haut patronage de la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabango, plusieurs allocutions ont émaillé cette cérémonie riche en couleurs. Pour le directeur général de Transco, la mise en circulation de ces engins roulants relève de la concrétisation de la vision du chef de l'État à améliorer les conditions de vie des populations. Toutefois, Cyprien Mberemomba reconnaît le mérite de la patronne de l'exécutif provincial de la Tchopo qui n'a pas lésiné sur les moyens pour acheminer ses bus de Kinshasa à Kisangani. Dans sa communication, la gouverneure de province remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi qui place l'homme au cœur de toute action politique avant d'en appeler à la conscience des responsables de la société Transco. Depuis son accession à la magistrature suprême, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est employé à aligner l'ensemble de son gouvernement, à concevoir et mener des actions pour réaliser sa vision abrégée par le mandat « Le peuple d'abord ». Cette vision coulée dans le plan national stratégique de développement qui consiste à placer l'homme au centre de toutes les actions gouvernementales, constitue une réponse planifiée aux besoins intégrés du peuple congolais, dont les transports et voies de communication en constituent un besoin primordial. C'est ici l'occasion pour la gouverneure des provinces découper le ruban symbolique marquant ainsi le lancement solennel de cette société. Pour immortaliser cet événement, maître Madeleine Nikomba Sabango, accompagné des membres de son gouvernement, est monté à bord du bus sur lequel a sillonné certaines artères de la ville, c'est
sous les ovations de la population. Et puis 250 sacs de ciment, dont du gouvernement provincial de Maniema, ont été remis aux musulmans pour la construction de la mosquée centrale de Kindu. Rodépanda pour les détails. Instruction du gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, 250 sacs de ciment ont été remis ce mercredi 26 avril 2023 à la communauté musulmane par le biais de son ministre provincial de la Santé, Kibungi Mutanga Junior, qui assure l'intérim du gouverneur en mission pour la construction de la mosquée centrale de Kindu. Kibungi Mutanga Junior a rappelé la volonté du gouverneur qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, basée sur développement à la base. Ce, avant de préciser l'accusé de réception de l'état de besoin adressé au président de la République pour la construction de deux grandes mosquées, notamment à Kindu et à Kasongo, au Maniema. Cheikh Idi Omari, imam responsable de cette mosquée qui a réceptionné cette dotation du gouvernement provincial, a salué ce geste en assurant l'autorité d'une bonne utilisation de ces sacs de ciment de manière rationnelle. Il s'est de souligner que cette mosquée est en train d'être construite sur une superficie de 924 mètres carrés avec les cotisations des fidèles musulmans. Les dons du gouvernement provincial contribuent grandement à la solution. En annexe, des sanitaires, une morgue, sont prévus dans ces projets. La sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation est prévue pour demain samedi au Stade des Martyrs. Dans le cadre des préparatifs de cet événement, le gouverneur de la Mongala a réuni des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de sa province. Jean-Richard Kouale, Jacques Ababa, Cynthia Reportage. En prélude de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, le gouverneur de province de la Mongala a réuni ce vendredi 28 avril 2023 dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Hermès de Lissala les présidents fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation basée à la Mongala. Pour Maître César Limbaya Mbangisa, cette rencontre s'est fixée de lancer son appel tous azimuts à la mobilisation des partis politiques à fédérer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la Nation a réussi à mettre fin au clivage politique qui a existé et aux comportements discriminatoires qui ont été à la base de l'instabilité politique dans notre pays. Et la veille de sa sortie, en tant que lieutenant de cette plateforme, les partis politiques, le regroupement politique, société civile, la jeunesse, toute la population s'est dressée pour se tenir prêt afin d'engager des hostilités qui vont pouvoir porter au Panthéon son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de cette occasion, le chef de l'exécutif de la province de la Mongala a fait savoir que l'heure n'est plus à la division. Ce dernier ajoute qu'il faut conjuguer les efforts ensemble pour permettre le développement de leur contrée et tous les fils de la Mongala à s'approprier des actions du chef de l'État. Aussi, les cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation du Bas-Zouélé, se sont retrouvés autour du gouverneur Nzanga Bombiti en matinée politique. C'est pour vulgariser la charte de la famille politique qui soutient la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État à la présidentielle de décembre 2023, et resserrer les liens entre les membres que le gouverneur de la province du Bas-Zouélé, le professeur Nzanza Bombiti Jean-Robert, René, le responsable des partis politiques de l'Union sacrée pour la Nation, œuvrant dans sa juridiction. Dans la salle, l'on note également la présence des députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial, cadre de la territoriale et les représentants des mouvements et associations de la famille politique et des Fatih Béton. Dans son allocution, le gouvernement des provinces explique la charte de l'Union sacrée et donne ses objectifs qui est de matérialiser la vision des chefs de l'État sur le plan politique, économique, social et sécuritaire. Quant à eux, les participants à cette matinée politique remercient vivement le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour remettre la RDC sur la bonne voie. Ainsi, il s'engage à mouiller les maillons et soutenir au second mandat afin de parachever l'action entamée. Je salue cette initiative des chefs de l'État et tous les membres cooptés par la charte de l'Union sacrée pour soutenir sa candidature pour sa réélection. La charte reprend pratiquement la demande et les soucis de notre population. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Bas-Zouélé, a fédéré tout parti politique issu de l'Union sacrée pour en discuter profondément. Nous avons toujours travaillé
pour le bien-être du Congo, de la province et pourquoi pas pour le bien-être de l'Union Sacrée qui est notre plateforme. Nous remercions le premier citoyen de la province, Son Excellence Zan Zabombit et Jean-Robert, vraiment qui a pris cette initiative et nous inviter tous, nous les responsables des partis politiques, pour nous sensibiliser sur cette charte. La mission que nous avons déjà, élire le président de la République, lui donner le second mandat. La matinée politique de ce jour à Bouta se tient à la veille de la sortie officielle prévue ce week-end à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À moins de 24 heures de la sortie officielle de la méga plateforme Union Sacrée pour la Nation, la synergie des mouvements associatifs regroupant les Né-Congo s'engage à soutenir cet événement. Pirombo Saïdi nous en parle. À l'instar d'autres Congolais disséminés dans les quatre coins du pays, population éprise de patriotisme agissant, teintée d'un nationalisme exemplaire, nos compatriotes habitant la ville portuaire de Matadi au Congo central se mobilisent comme une seule personne pour communier avec la nation tout entière afin de soutenir et saluer la sortie officielle de l'Union Sacrée pour la Nation. Je ne peux que me réjouir et demander à notre population d'adhérer massivement à cette plateforme qui ne servira qu'à permettre au chef de l'État de briguer un second mandat et avoir une majorité au sein des deux chambres du Parlement. Donc, c'est demander à toute cette population d'y adhérer pour matérialiser encore sa vision pour le développement de notre pays. À travers cette socialisation politique de nos compatriotes du Congo central à s'approprier les axes phares de cette méga plateforme, les Matadiens s'engagent à vivre cette journée historique dans une originalité propre au Né-Congo. Pendant tout ce temps que j'ai été à la tête de cette entité, le travail a été déjà fait. Nous ne pourrions aller que pour rappeler à la population, Matadi doit appartenir, comme je l'ai toujours dit, au chef de l'État. Fort de cette mobilisation citoyenne, axée sur la sensibilisation aux valeurs positives de l'Union Sacrée pour la Nation, les Né-Congo, éparpillés dans les 10 territoires et 2 villes qui comptent la province du Congo central, se réjouissent déjà du prochain second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Les préparatifs de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation vont bon train. Le comité organisateur et membres des partis politiques se réjouissent de l'organisation qui est fin prêt. Anastasie Dombo. Quelques jours après la signature de la charte de l'Union Sacrée pour la Nation, plateforme électorale pour soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de décembre 2023, une grande matinée politique est prévue demain samedi 29 avril au Stade des Martyrs pour la sortie officielle de la plateforme électorale. De militants membres du parti politique de l'Union Sacrée, des sympathisants et le mouvement associatif vont se retrouver pour suivre les discours programmes des différents leaders. Nous sommes contents de l'évolution des travaux, de l'évolution de choses, du dynamisme qu'il y a et nous informons la population congolaise et surtout quinoise et tous nos fédéraux qui vont venir. Vraiment, ça sera une journée hors du commun, extraordinaire. Ma présence ici, c'est justifié le fait que nous devons participer à la sortie de l'Union Sacrée le samedi et je suis venu me rendre compte des réalités du terrain et comment organiser pour l'emplacement, le meilleur emplacement que notre parti peut avoir le samedi. Et je pense que le résultat final le samedi, ça sera magnifique. Si je suis sur terrain, c'est pour m'assurer de ce qui se passe au stade, dans le préparatif et la même chose, nous sommes en train de nous préparer pour être là le samedi. À la veille de ces grands événements politiques, les comités organisateurs étaient au stade pour faire les constats de préparatifs de cet événement. Et puis les professionnels psychologues cliniciens réunis au sein de l'Union nationale des psychologues cliniciens avec l'appui du député national Serge Kasereka, élu des Loubéraux au Nord Kivu, ont déposé la proposition de loi portant l'ordre des psychologues cliniciens. Redépendre. Les troubles de ménage, troubles en situation de guerre, la pauvreté et troubles liés aux catastrophes naturelles constituent un véritable problème de santé publique qui nécessite l'accompagnement des spécialistes psychologues pour garantir l'équilibre social. Ces guérisseurs de la société par la parole, réunis au sein de l'Union nationale des psychologues cliniciens, veulent la réglementation de ce secteur avec des instruments juridiques.
Ce matin, ces psychologues cliniciens sont allés déposer au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant ordre national des psychologues cliniciens, loi portée par le député national Sylvain Kasereka. Élie de Loubérou, au Nord Kivu. Nous sommes ici avec l'Union nationale des psychologues cliniciens qui m'a accompagné pour venir déposer une proposition de loi portant ordre des psychologues cliniciens en République démocratique du Congo. Dans le but d'encadrer la profession, le psychologue clinicien, c'est un professionnel qui exerce dans le domaine de la santé, spécialement en matière de diagnostic et de traitement de la souffrance psychique de malades. Il a fallu que l'Union nationale des psychologues cliniciens, qui s'occupe de l'organisation et de l'encadrement de psychologues cliniciens, puissent s'y atteler en fait de protection de l'exercice de la profession de psychologue clinicien contre toutes les personnes qui ne peuvent pas revêtir cette qualité, qui n'ont pas une formation en matière de psychologie clinique. Organiser et encadrer les praticiens professionnels, c'est tout l'intérêt que porte cette proposition de loi. Fin de ce journal de Jacques Kabouaba, merci pour votre fidélité. Merci également à Keren Kankolongo pour sa rédaction. Retrouvez Sandra Nyangui à 20h. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure.